Salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de boss sur Elden Ring et je vais vous montrer un boss un petit peu secret je pense parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Pour ça, il va falloir se rendre à la cabane du maître de guerre, à Valorage. Quand vous allez arriver, la première chose qu'il va falloir faire, c'est se mettre en mode nuit. Voilà, donc il va falloir aller au site de grâce, se mettre sur faire passer le temps et se mettre du coup jusqu'à la nuit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un tout petit aller-retour dans la cabane et ressortir. Normalement, rien ne devrait se passer. Vous remarquerez que le maître de guerre n'est plus là. Ce que vous allez faire, c'est que là, vous faites demi-tour, vous retournez au site de grâce, tranquillement. Vous allez de nouveau sur faire passer le temps et vous allez recocher jusqu'à la nuit. Une fois que vous êtes là, hop, le chasseur de perles cinéraires va sortir. C'est un boss un petit peu secret, j'en ai pas beaucoup entendu parler et qui est assez impressionnant, je dois admettre. Je lui faisais pas mal de dégâts, mais moi, il m'a agréablement surpris de par son animation et ses techniques de combat qui sont assez impressionnantes. Comme vous le voyez, moi, je lui fais très mal, mais lui, il a cette petite spécificité, c'est de pouvoir se décrocher de son épée, en fait, et de pouvoir vous la balancer à n'importe quelle distance et vous taper avec, avec une... En fait, il couvre une grosse partie de l'endroit où vous allez vous battre. Et du coup, il va falloir faire gaffe, soit être très à fond sur vos esquives, ou alors va falloir avoir un bouclier qui protège 100% des dégâts physiques. Parce que sinon, vous allez perdre la vie très très rapidement. Hein. Il y a plusieurs techniques, dont celle-là, vous avez vu, hein, ça m'a entamé toute ma barre d'endurance. Donc essayez, en tout cas dans la mesure du possible, d'éviter de vous la prendre en pleine face, parce que ça peut faire très très mal. Ce boss là, il va vous donner une perle que vous pouvez donner au marchand qu'il y a au bastion de la table ronde. Ça peut être utile, voilà, si vous en faites bon usage, j'ai envie de dire. Mais voilà, en gros, c'est un combat de boss un petit peu secondaire, un petit peu secret, mais je voulais vous le montrer parce que je l'ai trouvé très sympathique avec un style de combat très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà, c'est une vidéo courte, j'espère qu'elle vous a tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Je ferai encore plein d'autres vidéos, astuces et des petites vidéos de présentation de boss que j'ai pu combattre. Et en attendant, je vous laisse là, c'était Reigns, bisous bisous.